Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends, l'ultime invocation sur Vegeta LF Ozaru en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu? Ça va bien, coucou tout le monde. Avant de commencer cette ultime invocation, on a reçu un colis de la part de JD World Japan Deal World. Comme d'habitude, vous savez très bien, le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est ça. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous avez le site internet, etc. Et en plus de cela, vous avez un code promo Sofiane si vous avez envie de vous faire plaisir. Alors, j'ai déjà ouvert le colis et j'ai bien fait parce que JD World m'ont fait une énorme surprise. Alors, on va y aller étape par étape. Une première figurine de Goku, les amis, marque Banpresto, Dragon Ball Super, mais c'est pas tout, on en a une comme ça. On en a ensuite une deuxième, en position Kamehameha, pareil, mais Super Saiyajin. Et bien évidemment, alors attendez, hop, parce que là du coup, j'en ai partout. On en a encore une troisième, pareil, Kamehameha, cette fois-ci, Super Saiyajin Blue. Alors là, on a en gros l'évolution, clairement, de chaque transformation. On va faire ça comme ça, voilà, boum, attends, hop, 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 voilà, hop, 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 hop. Transformation. Voilà les amis, et bah let's go, on va voir à quoi ressemblent les figurines. Voici la première figurine de Goku, forme de base en position Kamehameha. Comme vous pouvez le constater, elle est vraiment sublime. Franchement, je kiffe, et regardez la tête, hein. La tête est super bien faite. Les traits de caractère, tout ça, on reconnaît vraiment bien le Goku. Et il y a une particularité qui va être intéressante entre ces trois figurines. Eh bien, sur la Super Saiyajin que Ludivine va prendre, vous la voyez juste ici. Voilà, ils sont côte à côte. Comme vous pouvez le voir, le kimono de l'école de la tortue de Goku forme de base est de teinte rouge. Tandis qu'en Super Saiyajin, il est de teinte orange. Eh bien, c'est respecté, parce que dans l'animé Dragon Ball Z, c'était comme ça. Et puis, bah, pareil, hein, vous allez pouvoir voir un petit peu sa tête. Voilà, en Super Saiyajin, énormissime, elle est sublime. Voilà, la musculature, tout ça. Voilà, les ombrages, vraiment, hein, voilà, les ombrages au niveau du pantalon, même les pliures dans le dos. Franchement incroyable. Et bien entendu, il y a également la Super Saiyajin Blue. Donc voilà, on les a côte à côte, les trois figurines. Et comme vous pouvez le constater, sur les trois figurines, l'éclairage, la couleur, voilà tout simplement des figurines, est différente en fonction des transformations. Elle est incroyable. Franchement, elles sont incroyables. Moi, franchement, j'aime bien. Coup de cœur. Mais ce n'est pas le plus gros coup de cœur de ce colis. Et c'est là où je remercie infiniment JD World. Comme vous le savez, je pense, quand on regarde mon setup, vous savez très bien que je suis un grand fan de Berserk, Ludivine également. Moi aussi. Eh bien, j'ai eu l'immense surprise de recevoir le Young Animal de Berserk, les amis. Donc ça, franchement, ça fait super, super plaisir. Alors, vous le savez, ou au cas où, si vous ne le saviez toujours pas, l'auteur Kentaro Miura est décédé, malheureusement. Son manga ne pourra pas être terminé. Son œuvre a duré 30 ans, c'est un sans-faute. Vraiment, ça a été un sans-faute et une écriture de génie. Voilà, avec un antagoniste de ouf. Grandiose, grandiose. Voilà, pour moi, il n'y a pas meilleur antagoniste en termes de pourriture que celui de Berserk. Et le héros, Guts, que vous voyez là, hein. Voilà, tout simplement, derrière Guts, et également derrière, regardez déjà, le chara design, hein, voilà, c'est incroyable. Guts est le héros, tout manga confondu, qui en a le plus bavé, voilà. Alors, faut connaître Berserk pour pouvoir juger ça, mais une fois que vous connaissez, normalement, on est tous unanimes là-dessus. Alors, on va regarder un petit peu, let's go, on va l'ouvrir. Voilà, du coup, on a ça dedans. Alors, on va déjà ouvrir ce poster. Oh là 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 là. Non, mais la dinguerie, c'est la dinguerie, clairement. Non, mais regardez-moi ça. Je le veux, tu me le donnes. Je te donne rien du tout. Si, il est beau. Je te donne rien du tout. Et puis derrière, hein, derrière, voilà, en manga avec Griffith, Guts, regardez le caractère design. C'est incroyable. Voilà, vraiment, on a quelque chose de oufissime. Alors, on va regarder un petit peu dedans. Parce que normalement, il y a du coup. Ouf. Oh là là. Ouf. Quand tu vois ce genre d'illustration, tu vois, c'est des œuvres d'art. Vraiment, c'est des œuvres d'art.
Non mais regardez les amis, Berserk c'est quand même un, on connaît le Guts, voilà, vous voyez, hein. Pas, franchement, extraordinaire. Oh là là, Griffith et Guts côte à côte, incroyable, c'est vraiment, c'est magnifique. Donc après voilà, le petit livret, je pense que c'est un hommage à Kentaro Miura, et regardez, hein, la posture. La posture de Guts avec son épée et tout ça, l'épée de dingue. Hein. Le Bélite derrière également. Franchement, c'est sublime. Et voilà, il y a. Non, mais regardez. Quand je vous dis que chaque page est une œuvre d'art, regardez-moi. Et bien évidemment, il y avait la dernière page de Berserk. Malheureusement, le combat final, on ne l'aura jamais. Ça s'est arrêté à là. Et on voit Griffith, voilà, avec une larme qui coule. Mais comme il le dit. En traduction française, cette larme disparaîtra comme la rosée du matin. Donc ce qui veut dire que tout simplement, Griffith, en lui, le mal prend le dessus sur sa bonté, voilà, sur ses sentiments. Et pour moi, c'est, comme j'ai pu vous le dire, un antagonisme de fou. Voilà, j'ai mis le Young Animal ici dans le setup, mais également, du coup, les trois Goku transformations en position Kamehameha. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, je l'avoue. Voilà. Donc, n'hésitez pas à retrouver le lien du site JD World dans la description de cette vidéo. Et si vous avez envie de vous faire plaisir pour commander des jumps, pour commander des figurines ou autre, le code Sofiane et au moins, vous aurez une promo. Let's go pour l'invocation. Let's go. C'était hier sur Twitch et croyez-moi, ça en valait le détour. Yeah! Let's go. Fume-le. Vegeta Whis. Thank you, Vegeta. Let's go, les gars. Et merci pour le host. Merci beaucoup, Solan, pour le host. Merci énormément, ça fait plaisir. Ok, donc du coup, là... Sparkling. Ça va, C21, je prends. Elle est forte, C21, type vert. Yeah! Allez, c'est parti! On veut les montagnes! Les montagnes, on t'a dit! Les montagnes! On demande les montagnes, on a les montagnes! C'est pas mal déjà, mais on aimerait bien un petit fake out là. Un fake out qui sorte de l'espace, qui sorte de l'ordinaire. Le fake out qui sorte de l'ordinaire! Broly! Bon, on a demandé le fake out, on avait demandé les montagnes, on a demandé le fake out, ça s'est réalisé. Maintenant, j'aimerais bien Vegeta. Un petit peu. Par contre, le Super Baby 2, du coup, qui passe sur l'étoile. Oh, pas mal. Pas mal aussi. Ça monte les EX en étoile, et ça, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Par contre, Ito, frère, je m'en fous un peu. Glisseur, sparking garantie. Glycéor, c'est sparking garanti. Non. Gohan adulte, ultime, transfo. Pas vraiment ce qu'on demande. Dis-moi, il y en a un deuxième. Vas-y, Dabla, va. Va, il tombe Babidi-sama. Tu crois qu'on va faire quoi avec Babidi-sama, là? Je sais pas quoi, là. Vas-y, Jaco. Oh, deuxième. Je prends. Vegeta, je prends. C'est pas le bon. Velozaru. Par contre, le Vegeta number one, franchement, unité vraiment très intéressante en PVP, tout ça. C'est plutôt cool. Bon, deux sparking quand même dans cette multi. 3, 2, 1. Yeah! Allez, c'est parti. Ish. Let's go. Allez, les montagnes. Tao Pai, c'est Blue Golden Freezer. Let's go. Oh yeah. Et merci beaucoup Dark Raptor qui a offert un sub à Thomasverse. Merci à vous la team. Let's go. Yeah. Allez, c'est parti. Il le fume. Là, il y a deux sparkling garantis au minimum. Ok. Freeza. Let's go. Goku. Kid Goku. Let's go. Premier. Franchement, je prends. Très bonne unité. Franchement, je prends. Bojack, j'accepte. La vérité, Bojack, j'accepte. Maintenant, donne notre Zaru, s'il te plaît. On accepte, mais donne notre Zaru. La vérité. Donne notre Zaru. Donne notre Zaru à Sahbi. Donne notre Zaru.
Le LF, j'avoue, je veux trop le LF. Ok. Super BB2. Il vient beaucoup, lui, hein. Ok. Kulin Zenkai EX. Purée. Ah, mais c'est trop. C'est trop, frère. Tu vas m'emmener jusqu'où comme ça, Toshi Nickel. Allez, c'est parti. Let's go. Kingdom SSG Blue Golden Freezer. Kingdom SSG Blue Golden Freezer. J'appelle Broly. Tu vas venir. Broly. Yeah. Il est pas venu. C'est pas grave. Il est pas venu, c'est pas grave. Je prends. Il y a deux sparkings. Sait-on jamais. C'est possible encore d'avoir le Vegeta. Rosé, LF, je prends. Excellente unité. Je prends. J'accepte. Maintenant, donne-nous Zaru. La vérité, s'il te plaît. S'il te plaît, le jeu. Merci pour les GG. Merci beaucoup pour les GG. Let's go. Deuxième. Team Antonia, merci beaucoup pour ta grosse donation. Merci énormément la team. Tu vas l'avoir, bah ça y est frérot, on l'a eu avec Rosé LF. Incroyable. Enfin, on l'a eu les frères. On va pouvoir jouer en PVP. On va pouvoir se transformer en Nozaru. Et merci également aux frérot. Waouh, mais t'as offert combien de subs? Mais toi, il a offert 25 subs le frérot Hardware. Oh yeah. Merci énormément, mon frérot. 25 subs. Merci énormément de ta générosité. Des GG, les gars, dans le chat pour Hardware. Il a offert 25 subs. Non, mais ça va pas, toi. Il y a Ludivine à débarque, ça va pas, toi. Voilà. J'ai eu Vegeta Ozaru, madame. Vegeta Ozaru. Non, mais. À la cuisine. Non, mais ça tremblait et tout, mais t'es ça tremblait dans la baraque, elle a dit. Ça tremblait, j'ai fait trembler la baraque, les frères, tellement j'ai sauté au plafond. On a fait l'hélicoptère avec le slip, on a tout fait là. On aurait dit que tu faisais un malaise et tout, pour t'es fou. À la crue, je faisais un malaise. Merci énormément. Il y a Hardware, il a offert 25 subs. Waouh, excusez-moi, je peux pas montrer, mais franchement, GG, hein, c'est vraiment voilà. Bien. Oh, merci beaucoup. Hein. Et en plus, j'ai eu Rosé avec. Oh, en troisième. Daimao. Elle est incroyable, la multi. Rosé LF, Vegeta Ozaru LF, Daimao. Incroyable. Yeah. Oh, et merci encore à Legendias qui a offert 5 subs. Merci énormément, la team. Franchement, merci à vous. Vous êtes énormissime ce soir. Incroyable. Ce qu'on est en train de dire, c'est incroyable. C'est bon, maintenant, ouais, tu peux foutre le camp. Retourne, voilà. Retourne là-bas. Laisse-moi tranquille. Oh non, 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 ça c'est de la multi qu'on aime, ça. Ça c'est de la multi qu'on aime. Ok, il passe enfin 3 étoiles, du coup, mon rosé, ça c'est cool. Et du coup, on a bien évidemment, les amis, le beau gosse, le Vegeta da Ozaru. Oh là 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 là. Merci énormément, les amis, hein, du soutien. Franchement, vous êtes. Incroyable, Ozaru. Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Non, yeah.